Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un pari, votre rubrique Turfait faire. Alors ce mardi 19 avril, direction La Réunion 4 avec l'hippodrome de Vincennes, une semi-nocturne avec 8 courses au programme. Vous le voyez, il y aura la quatrième course qui sera support de Pick 5, une course très ouverte d'ailleurs, assez difficile à déchiffrer. Moi, je me suis intéressé à la première épreuve du programme, le prix Bamberga. C'est une course réservée à des pouliches, des jeunes pousses de 3 ans et on va gagner 13 000 euros. C'est rare que je donne un cheval comme ça, que je conseille un cheval aussi jeune en général dans mes rubriques. Maintenant, c'est une pouliche que j'ai repérée qui me plaît beaucoup. Voilà, il y a 13 concurrentes au départ, 2200 mètres à parcourir et 7 juments. C'est le numéro 11, Joyce. Elle m'a vraiment beaucoup plu la dernière fois sur la grande piste de Vincennes. C'était 2700 mètres. Vous le voyez déjà, c'est une pouliche qui est assez régulière. Elle a été disqualifiée à une seule reprise. Mais à part ça, elle fait toujours l'arrivée, deuxième, troisième, cinquième. Donc une pouliche qui a des moyens, une fille de Rédica chez Terre Rouge. Terre Rouge qui était une bonne jument déjà chez Louis Baudron. Donc vraiment des belles origines. La dernière fois, cinquième sur 2700 mètres, comme je le disais, sur la grande piste. C'était vraiment bien en retrait. Elle fournissait vraiment une bonne fin de course. Déjà avec Gwen Junot, son partenaire du jour qui la connaît bien. La fois d'avant, elle était disqualifiée avec Eric Raffin. C'était sur ce parcours de 2200 mètres. Voilà, faute un petit peu bête. Je pense que c'est pas vraiment une pouliche qui est fautive, vous le voyez, hein, troisième avec Gwen Junot la fois précédente à Cannes-sur-Mer. Elle a montré des moyens sur la Côte d'Azur cet hiver. Encore une fois, deuxième de Jezabel Génigo en battant Justine Bold. Donc une pouliche pardon, qui a des moyens, qui a prouvé la dernière fois qu'elle pouvait faire la piste de Vincennes. Moi ça me plaît beaucoup, c'est l'une des plus riches au départ. Certes, il ne faut pas avoir gagné 13 000 euros, mais elle est régulière, Gwen Junot la connaît bien. Je pense que l'engagement est vraiment bon et qu'elle ne devrait pas tarder à ouvrir son palmarès. En tout cas, c'est une pouliche que j'estime et que je pense qui va gagner des courses dans les mois à venir et qui va monter les échelons. Donc voilà, ce sera le jeu du jour. Un jeu simple avec ce 111 Joyce en réunion 4. Donc comme à l'habitude, 2 euros gagnants et 4 euros placés. Et voilà, vous savez tout, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée. Puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager comme d'habitude, bien entendu, à vous abonner pardon, en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Un jour, un pari. D'ici là, portez-vous bien et bonjour à tous. Bye bye.